Aujourd'hui, le Petit Journal a décidé d'être un peu moins léger et beaucoup plus profond. Mieux connaître les joueurs, mieux connaître vos idoles, c'est la vocation du Petit Journal d'aujourd'hui. Avec moi, Pierre Trieb-Capdeville. Pierre, bonjour. Bonjour. Pierre, tu veux nous présenter quelque chose qui fait partie de ta vie, je crois. Oui, je tenais à parler de mon sac. Ah, voilà. Donc le sac de Pierre Trieb-Capdeville. Et Pierre Trieb-Capdeville et son sac. Bonjour. C'est un sac bleu. Oui, de sport. De sport. De sport. Qui, tu m'as dit, a une particularité technique importante. Très, très importante. Oui. Il s'ouvre. Ah. Tu peux... Par là. Tu peux prendre la, voilà, la petite molette et tu tires. Et donc du coup, aussi, évidemment... Il se referme. Il se referme. Allez, un petit test avant de retrouver votre idole. Voici cette phrase. Un plaqueur béglé, blagueur du pack plaquant, baquet, Nicolas le troisième ligne. Sans blaguer est un plaqueur béglé, pas blagueur. Allez, Nicolas Baquet, justement. Un plaqueur béglé, blagueur du pack plaquant, baquet, sans blaguer est un plaqueur béglé, pas plaqueur. Blagueur. David Ocagne. Un plaqueur béglé, blagueur du pack plaquant, baquet, sans blaguer est un plaqueur béglé, pas blagueur. Et tout. Allez, le plus rapide possible, Jean-Pierre. Un plaqueur béglé, blagueur du pack plaquant, baquet, sans blaguer est un plaqueur béglé, pas blagueur. Allez, plus difficile maintenant, de mémoire. Un plaqueur béglé, Oula, je suis jamais arrivé. Un plaqueur béglé du pack plaquant, baquet est un plaqueur... Efficace. Allez, avec les accents maintenant. Philippe Bernatsal, l'accent parisien. Parisien. Ah oui. Ah ben... Il y a mèche ou quoi? Roumain. Ah ouais, roumain. Un plaqueur bégré, pas soupe, plaqueur. Allez, Abir Agep en basque maintenant. Est un plaqueur bégré, pas blagueur. Bon, je vous rappelle qu'on est dans la rubrique « Mieux connaître son idole », donc on est, Pierre, dans ton sac, oui. Hein, maintenant, et dans ton sac bleu de sport, et, oh surprise, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de pêche. Ah, boîte de pêche, donc voilà, en plastique. Oui, transparente. Hmm. C'est une belle boîte de pêche en plastique transparente. Oui, c'est très belle. Hein, et voilà. Elle est vide. Oui. On peut... Elle est vide. Et en plus, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'elle est compartimentée. Ah, voilà. Oui. Et elle est compartimentée en compartiments. Oui, il y en a 8. 8. Comme un crampon. Ah, voilà. C'est donc la boîte de pêche compartimentée en plastique transparent de Pierre Trieb-Capdeville. Elle s'ouvre à se faire aussi.